Ce samedi 13 mai, de nouvelles cross battles ont eu lieu dans la saison 12 de The Voice, dont celle entre Marilyn Naaman et Camille. Le public a eu du mal à les départager et Big Flo s'est montré choqué par le résultat final. Plus les semaines passent et plus les places se font rares dans la saison 12 de The Voice. Les talents des coachs, Vianney, Big Flo et Oli, Zazie et Amel Bent, se produisent tour à tour sur le plateau de TF1 pour tenter de remporter chacune des étapes. Après des auditions à l'aveugle et des battles riches en émotions, les jeunes artistes se retrouvent lors des cross battles. La semaine dernière, des talents ont dû quitter l'émission et d'autres sont parvenus à conserver leur place. Si est-il le cas de Mea et Priscia qui s'en sont bien sortis malgré une chute sur scène. Ce samedi 13 mai, alors que de nombreux artistes tentent leur chance à l'Eurovision, sur TF1, les cross battles se poursuivent, avant de passer aux super cross battles dès la semaine prochaine avec Mika. Les votes de The Voice 2023 très serrés entre Camille et Marilyn Naaman pour continuer cette soirée, Camille, issue de l'équipe de Vianney, et Marilyn Naaman, de l'équipe de Zazie, qui a commencé l'aventure avec l'interprète de Beau Papa, s'affrontent. Cette dernière est la première à se produire sur scène en reprenant elle, Tu l'aimes d'Hélène Segarra. Puis vient le tour de Camille qui chantait Si tu n'existais pas de Joe Dassin. Deux incroyables performances qui ont donné du fil à retordre aux coachs qui ne savaient pas comment les départager. Toutefois, lors des cross battles, ce sont les membres du public qui ont le dernier mot. Et à 58,2%, ils ont choisi d'amener Marilyn Naaman à la prochaine étape de la compétition. Nikos Aliagas confirme, ça cesse jouer à rien. Big Flo a du mal à se remettre de ce choix. 8%, si est-il exactement 16 personnes de différence dans le public. Donc, si est-il très serré, fait-il savoir. Là, vous vous dites que le mec est un monstre en maths. Et oui, s'amuse-t-il, mais toujours surpris de voir que les votes étaient si proches. Ça cesse de jouer à rien, enchaîne Nikos Aliagas. L'occasion pour ce dernier de rappeler que le public est composé de 201 personnes. Ça veut dire que vous ne partez pas d'ici, mon cher Camille, comme quelqu'un qui jette l'éponge, mais comme quelqu'un qui déploie ses ailes, le rassure-t-il. À lire aussi The Voice, quel candidat a été le plus soutenu par le public pendant la première soirée des cross battles?